Dans ce second tuto concernant After Effects CS 6, nous allons voir comment débuter un projet, ouvrir un nouveau projet et créer des compositions, une ou plusieurs compositions, pour faire du trucage vidéo. Surtout, connaître les formats de fichiers afin que votre vidéo soit de la meilleure qualité possible et puisse être lisible sur différents supports écran, du smartphone à la télévision Full HD, en passant par la tablette ou alors même le vidéoprojecteur. Bien, alors la première chose à faire, c'est de lancer le logiciel, donc After Effects CS 6, qui va mettre plus ou moins de temps à se lancer selon la vélocité de votre ordinateur, et qui va s'ouvrir sur ceci. Donc il va vous proposer d'ouvrir d'anciens projets. Et si vous ne choisissez pas d'ouvrir un ancien projet, il vous propose un projet sans titre que je vous conseille de directement enregistrer. Alors, vous allez pouvoir le faire comme d'habitude, fichier enregistré sous, ou alors le raccourci, c'est Shift Pomme S ou Ctrl S. Enregistré sous, vous choisissez le dossier de destination. Ici, moi, c'est Tuto After Effects, je vais l'appeler 02. Voilà. Donc j'enregistre mon projet 02, mais mon projet est vide pour l'instant. Alors, pour qu'un projet ait des éléments, il va falloir d'abord créer ce qu'on appelle une composition. Une composition, c'est donc une vidéo ou un élément animé dans une vidéo à laquelle on va donner des dimensions. Le mieux, c'est de l'adapter aux dimensions de l'écran pour être sûr d'avoir une vidéo qui puisse être lisible partout. Donc, pour créer une nouvelle composition, on peut aller dans Composition, Nouvelle composition, ou alors le raccourci, vous l'avez, le raccourci, vous l'avez à droite, c'est Pomme N ou Ctrl N. Donc, Ctrl N pour pouvoir créer une nouvelle composition. Par défaut, il vous propose de l'appeler Composition numéro 1. Moi, je vais l'appeler Tuto After Effects. Voilà. Vous lui donnez un nom cohérent, bien sûr, sans accent, pour éviter tout problème ensuite de lisibilité et de réouverture. Ensuite, au niveau des paramètres, donc les paramètres prédéfinis. Si vous cliquez, vous allez avoir une liste très longue de paramètres. Donc vous, ce que je vous conseille, c'est de choisir. Alors on peut aller vers des choses diverses et variées qui s'adaptent aux écrans américains, aux écrans européens, même au film 4K, vous l'avez ici, hein, avec une très très bonne définition. Je pense que dans les versions plus récentes d'After Effects, il y a même du 8K qui doit apparaître. Nous, on va privilégier le 1080-24 ou le 1080-25. Donc, choisissez l'un ou l'autre, sachant que le 24 ou le 25, c'est le nombre d'images par seconde que vous allez choisir. 24 images par seconde, ça permet d'avoir des animations assez fluides et d'avoir un rendu assez fluide. Donc 1080, et vous avez ensuite les dimensions en largeur et en hauteur de votre écran. Le HDTV 1080-24, c'est en fait du Full HD. Full HD, ça veut dire que c'est de la très grande haute définition, où la largeur de l'écran fait 1920 pixels, et la hauteur de cet écran fait 1080 pixels. Donc le 1080, ça correspond en fait à la hauteur de votre écran. Si vous prenez du 720, alors je ne sais pas si on l'a ici, oui, on a du 720-25. Si je prends du 720 en 25 images par seconde, on a donc la hauteur de l'écran qui fait 720 pixels, et la largeur de l'écran qui fait 1280 pixels. Ça, c'est des formats que vous retrouvez par exemple sur les plateformes telles YouTube, où vous avez différentes définitions possibles pour une même vidéo. Alors bien sûr, une vidéo en 720 pèsera moins lourd et donc sera plus facilement lisible sur des supports comme les smartphones, qui n'ont pas besoin d'avoir des vidéos en 1080. Mais mieux vaut faire une vidéo en Full HD directement, et ensuite, si besoin, la convertir dans des versions un peu moins gourmandes en fait, donc qui demande moins de ressources, voilà, j'ai perdu le fil, donc qui demande moins de ressources au support,
Plutôt que de faire quelque chose avec une faible définition et ensuite bah, on peut plus augmenter la définition. Donc mieux vaut avoir une très très bonne définition dès le départ. Faites bien attention à ça aussi, le format du pixel, il faut un format carré. On va le faire pour des écrans de type télévision. Les formats anamorphiques, comme celui que vous pouvez le voir, ce sont des pixels qui ne sont plus carrés mais qui sont rectangulaires et qui vont servir plutôt pour le cinéma puisque vous avez des écrans un peu plus larges au cinéma. La cadence, donc 24 images par seconde, c'est le minimum pour avoir quelque chose de fluide. On peut monter bien sûr à 60 images par seconde pour avoir quelque chose de très très fluide. Je vous conseille de rester sur du 24 ou du 25. Pour ce qu'on va faire, ça va être amplement suffisant et surtout ça va être moins gourmand, vous aurez des fichiers beaucoup moins lourds à traiter par la suite et le calcul prendra moins de temps lui aussi. Voilà, une résolution intégrale, c'est bien. Le code temporel initial, là, c'est pour dire donc les millièmes de seconde, les secondes, les minutes et les heures que dure votre projet. Et là, vous pouvez même rentrer la durée de votre projet. Si vous savez déjà que ça va durer 10 secondes, vous pouvez mettre 10, 0, 0, histoire d'avoir exactement la taille. Mais bien sûr, tout ça, c'est modifiable encore par la suite. Vous rentrez les premières informations, donc à part les paramètres des dimensions de l'écran, tout le reste peut être modifié. Enfin même, on peut modifier les paramètres, mais si votre vidéo n'a pas les bonnes capacités, ça va pas le faire non plus. La couleur d'arrière-plan, vous choisissez quelle couleur vous voulez au fond de votre écran. Alors cette couleur ne sera pas visible quand vous allez faire exporter votre vidéo. Donc si jamais vous voulez faire quelque chose sur un fond transparent, vous pouvez aussi. La couleur d'arrière-plan va juste vous servir, vous, à voir ce que vous faites. Si vous voulez, vous pouvez mettre du rose fluo, histoire de pouvoir voir ce que vous faites en blanc par-dessus plus facilement, ou en jaune par-dessus plus facilement. Si vous travaillez avec des typos jaunes, c'est sûr qu'un fond blanc ne va pas vous permettre de lire aussi bien qu'un fond noir. Donc préférez une couleur, mais celle-là aussi, elle peut se changer au fur et à mesure. Voilà, une fois que vous avez rentré toutes ces données, vous pouvez cliquer sur OK. Et il va vous créer ici, dans la fenêtre projet, qu'on a vu juste avant, une composition, donc le sigle pour la composition, c'est ça, qui s'appelle Tuto After Effects. Et il m'a ouvert ici, dans la timeline, la fenêtre Tuto After Effects, qui correspond à cette composition. Pour l'instant, elle est vide, l'écran est noir, elle dure bien 10 secondes, vous le voyez d'ici de 0 à 10 secondes, mais il n'y a rien à l'intérieur. On va bien sûr, dans un prochain tutoriel, importer des éléments, les organiser et pouvoir ensuite travailler à l'intérieur de cette nouvelle composition, dans ce nouveau projet que j'ai appelé 02.